Bienvenue au Tabata Intermédiaire 1. Donc aujourd'hui, on augmente un petit peu encore la difficulté. On part de la catégorie débutant à intermédiaire. On commence donc avec des séquences. Toujours 20 secondes de départ et 10 secondes de repos. On commence avec 10 secondes de rebond. C'est parti. Donc 10 secondes où on fait des rebonds comme ça. Et après ça, 10 secondes où on va les faire à la course. Et là, on commence à courir sur place. On lève bien les yeux. 4, 3, 2, 1. Super, on fait une pause de 10 secondes. Ensuite, on va faire des alternances de squat et de fente. 3, 2, 1, c'est parti. Fente, squat. Donc, le genou touche pas au sol. On descend toujours les fesses. Encore 10 secondes. Trois, deux, un, back pit. Après ça, on va faire des jumping jacks normales et des jumping jacks sans impact. Trois, deux, un, jumping jacks. On peut les faire en levant la jambe sur le côté. Trois, deux, un, on y va normal avec les sauts. Donc on est rendu là, les petits bandes, les jumping jacks. Avec des petits bons. C'est bon. Après ça, les push-ups sur les genoux. Avec une chaise. Et c'est parti. Donc, les coudes le long du corps. Et on pousse. Je me laisse tomber vers l'avant. 10 secondes à faire. 4, 3, 2, 1, ronde 1 terminée. On fait la deuxième ronde, on commence les mêmes exercices. Dans 5 secondes, 4, 3, 2, 1, les rebonds. On se rappelle pendant 10 secondes, après ça, c'est la course. 3, 2, 1, on y va à la course. Let's go! Trois, deux, un, yes! L'alternance de squat et de fente dans 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti! Donc on peut commencer squat. Deux secondes à faire. Trois, deux, un, super. Les jumping jacks dans 10, on va commencer sans impact au début. Après ça, les jumping jacks normal. 3, 2, 1, c'est parti. Trois, deux, un, on y va. Avec les rebonds. Oh là, je vois ça va bien. 5, 4, 3, 2, 1, super, on termine ça avec les push-ups. Les mains à la largeur des épaules, coup de long du corps en descendant. 2, 1, c'est parti. Let's go, 10 secondes à faire. 5, 4, 3, 2, 1, hey, good job! Donc là, on voit qu'on augmente un petit peu la difficulté et puis on utilise les impacts un petit peu plus. N'hésitez pas à retourner dans les anciens entraînements pour aller chercher des variantes sans impact ou pour gérer votre intensité durant la séance. Merci beaucoup, à la prochaine!